pourquoi toutes les nations veulent à ce que la République démocratique du Congo puisse négocier avec le Rwanda, mesdames et messieurs. Vous le savez, hier, l'ambassadeur de l'Israël, accrédité en République démocratique du Congo, a échangé comme ça avec Jean-Pierre Bemba, et il suggère à ce que la République démocratique du Congo puisse négocier avec le Rwanda au regard des atrocités qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, le président polonais promet à Paul Kagame de le soutenir si et seulement si certaines nations attaquaient son pays. Justement, on se pose des questions. Pourquoi d'autres nations ne veulent pas soutenir la République démocratique du Congo, parce que c'est nous qui sommes victimes de ces atrocités à l'est de notre pays. Ce sont nos Congolais qui continuent toujours à mourir. Nous allons réfléchir autour de ces questions. Comment y remédier face aux attaques de M23? Est-ce qu'il faudrait faire la guerre comme promis par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Nous allons au cours de cette émission aussi revenir sur le rejet par la Cour constitutionnelle de des candidats députés invalidés par la CENI. Vous le savez, hier, la Cour constitutionnelle a pris la décision de rejeter le requête, 68 requêtes comme ça, de candidats invalidés par la CENI pour fraude, bourrage des urnes aussi. Et enfin, au cours de cette émission, nous allons essayer de parler de la nomination d'Augustin Kabuya comme informateur. Est-ce qu'il va cette fois-ci convaincre, question d'identifier la majorité et que le président Félix Tshisekedi puisse nommer cette fois-ci le premier ministre? Pour ce faire, nous recevons pour vous monsieur Jean-Serge Tchibal. Il est comme ça secrétaire national en charge de la communication du parti politique PPRD de Joseph Kabila. Monsieur Jean-Serge Tchibal, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour très chers compatriotes, bonjour à madame. Bonjour monsieur. Et merci de nous avoir invités une fois de plus pour cette année. Nous sommes là pour parler de la République, répondre à vos questions et surtout éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent concernant la position du FCC, du PPRD, notre famille politique. Très bien, merci beaucoup. Elle est avec moi comme à l'accoutumée. Madame Tania, bonjour. Bonjour monsieur Nathan. Bonjour monsieur Jean-Serge Tchibem et bonjour également à tous les téléspectateurs de ces maîtresses télévision qui nous suivent en ces nets moments. Merci. Très bien, 45 minutes d'échange avec notre invité, notre numéro est affiché au bas de l'écran. Veuillez justement nous envoyer vos messages, nous allons le lire au cours de cette émission. Alors monsieur Jean-Serge Tchibem, c'est vrai, ça fait un bon moment que vous ne communiquez presque plus. Et nous ne connaissons presque pas la position du PPRD, ou parce que vous êtes secrétaire national en charge de la communication, la position du FCC face à la situation, surtout de notre pays, avec les élections qui se sont déroulées. Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui et nous croyons avec vous, au cours de cette émission, nous allons avoir toutes les réponses à nos questions. Alors, nous parlons insécurité à l'est de notre pays. C'est vrai, les atrocités continuent toujours, les attaques du M23. Votre lecture face à cette situation? Merci beaucoup. Ça fait un bon moment. Comme je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes de l'école de Joseph Kabila. L'école de l'excellence, l'école de la passion du Congo, l'école du travail bien fait, l'école de la sagesse, l'école du pragmatisme. Alors, dans cette école, on nous enseigne que quand vous n'avez pas des mots qui sont plus forts que le silence, mieux vaut s'éteindre que de parler. Voilà pourquoi il fallait prendre un repli. Un repli stratégique comme dans l'armée. Nous n'étions pas partie prenante aux élections. Il fallait laisser le temps aux Congolais d'observer. Observer ensemble avec eux. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, et nous avions décrié ces choses avant les élections. Nous avions tiré les sonnettes d'alarme avant les élections concernant la préparation de la fraude, concernant l'insécurité, concernant l'amateurisme, concernant le tribalisme, concernant le tâtonnement dans le chef de ceux qui dirigent. Nous avions tiré les sonnettes d'alarme pour que les Congolais comprennent. Enfin, que si ce qui nous arrive aujourd'hui arrivait, qu'on ne puisse pas dire que le FCC n'avait pas averti les Congolais, les FCC n'avaient pas informé. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des choses que nous avions décriées il y a 2 mois, il y a 2 jours avant les élections.
Très bien. Donc, nous étions partie prenante au processus jusqu'à ce que, dans l'avancement de ces processus-là, nous avions senti une intention manifeste de nous organiser des élections bâclées, des élections qui ne permettent pas que nous puissions consolider les acquis de la démocratie. Alors nous avions dit non au processus de Kadima. C'est comme ça que nous n'étions pas partie prenante à ces élections du 20 décembre. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons vécu, la gratuité électorale, la gratuité électorale qui s'est concrétisée par la volonté de Kadima à distribuer les machines gratuitement à ses compagnons de l'Union sacrée, ce sont des choses que nous avions décriées. Nous avions décrié la tricherie à grande échelle, via ces machines, via la composition du bureau, via le minet, via un fichier électoral corrompu. Ça s'est concrétisé. Nous avions décrié à l'époque la catégorie électorale qui était un élément important pour permettre à ceux qui doivent voter, à ceux qui doivent compétir, d'abord de connaître le lieu ou les sites où ils doivent voter, mais aussi de connaître les nombres de bureaux de vote qui seront ouverts les jours des élections. Ça n'a pas été fait. Nous avions dénoncé, à quelques jours des élections, à quelques mois, l'acte que Kadima m'avait posé, soi-disant en organisant cette fameuse remise des duplicata, qui n'était pas en réalité une remise des duplicata. C'était une manière pour Kadima d'enregistrer les nouveaux électeurs pour les ajouter dans les fichiers électoraux. C'est ce qui a été fait. Et ces nouveaux électeurs ont servi avec la fraude des données à Félix Tshisekedi, qui était déjà déclaré vainqueur avant, avec 73%. Et la suite, vous avez vu des vidéos, des machines à voter dans des hôtels, dans des églises, dans des salles à manger, dans des bureaux, dans des cabinets ministériels. Tout ça a permis que M. Kadima puisse réaliser les élections pendant 7 jours. Des élections records qui ne se sont jamais organisées dans une république qui se veut démocratique. Pendant 7 jours. Et au 5e jour, un de vos confrères a posé une question importantissime à M. Kadima, lui demandant combien de bureaux de vote avaient ouvert. Là, nous sommes au 5e jour de l'organisation des élections. Et Kadima n'avait pas une réponse à donner. Il avait dit clairement, il est pratiquement impossible que je puisse vous donner le nombre de bureaux de vote parce que nous devions attendre que toutes ces personnes qui défilent encore devant le bureau de vote puissent voter afin de vous donner ces nombres. En réalité, il savait le nombre de bureaux de vote et il savait le nombre de machines qui ont été distribuées gratuitement pour matérialiser la gratuité électorale. Et connaissant toutes ces choses-là, il ne pouvait pas donner le nombre exact. Sinon, les nouveaux électeurs, les machines qui étaient dans des églises, dans des bureaux, dans des hôtels, étaient aussi comptabilisées dans les fichiers Kadima comme le bureau de vote. Il allait se tromper et cela allait biaiser les calculs totaux à la fin. Donc, la population congolaise nous donne raison aujourd'hui sur tout ce que nous avions dit et notre position reste inchangée. Nous n'allons pas prendre part à ces élections, à ces processus électoraux jusqu'au bout parce que nous estimons que les bases ont été mal jetées et que tout ce qui peut sortir de ces processus de Kadima sera chaotique, sera pratiquement impossible de nous aider pour consolider la démocratie. Très bien. Allez, cette fois-ci, maintenant, nous parlons de l'insécurité qui continue toujours, les attaques de M23. Comment y remédier, monsieur Jean-Charles Tshibende? Parce que en 2013, Kabila avait fait un travail où, après, nous avons constaté comme ça l'absence de ce M23 pendant plusieurs moments. Mais et puis après, nous constatons le M23 reviennent commencer à attaquer le Congolais, tuer le Congolais à l'Est. Alors, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il faut négocier ou faire la guerre?
Parce que c'est vrai, Félix Tshisekedi avait promis qu'à la moindre escarmouche, il va prendre une décision imposante, question de faire la guerre au Rwanda. Mais est-ce que vous pensez qu'à ce stade, face à la position que la RDC occupe à cet instant, est-ce que faire la guerre serait une bonne option pour terminer ces problèmes? Premièrement, nous apportons notre soutien au FRDC. Nos compatriotes qui se battent matin, midi, soir pour nous protéger, pour protéger les Congolais et surtout l'intégrité de notre territoire. Nous exprimons aussi notre compassion à l'égard de nos compatriotes de l'Est qui passent des moments difficiles pendant cette période. Très cher Nathan, la République est dans la rue. Lors de la passation civilisée, entre Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila, ou entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, Joseph Kabila avait légué entre les mains de Félix Tshisekedi un pays entier avec une armée forte, une armée structurée et une armée républicaine. Ces derniers avaient aussi reconnu que j'ai trouvé une armée forte, organisée, structurée et républicaine. Alors que, quand Kabila accède à la magistrature suprême, Kabila avait trouvé 4 rébellions et 167 groupes armés. Quand il part, il n'y a aucune rébellion et presque un ou deux groupes armés qui n'étaient plus actifs sur le terrain. Notre armée est classé à la 8e position sur le plan africain. À la 8e position parce qu'il y avait un travail qui était fait en amont. Travail de réforme au niveau des services de sécurité, travail en termes de dotation, de munitions, des armes qu'il faut pour se battre, travail en termes de formation de militaires. Parce que pour gagner une guerre, pour gagner une bataille, non seulement il faut avoir des hommes, mais des hommes bien formés, des hommes bien équipés, des hommes qui ont un moral prêt pour se battre, prêt pour défendre la République. Et c'est ce qui nous avait propulsé à l'époque à la 8e position. Et parce que sur terrain, au-delà de la formation, au-delà des équipements, sur terrain, nous avons gagné. Et les preuves sont encore là. Avec des militaires congolais formés au Congo, certainement avec beaucoup d'expérience, avec la clairvoyance de Joseph Kabila à l'époque, sur le plan politique et diplomatique. Nous avons vaincu le M23. Mais on se pose la question aujourd'hui. Nous devons nous poser la question aujourd'hui. Pourquoi le M23 réapparaît aujourd'hui? Au moment où c'était un groupe vaincu sur le plan militaire, et sur le plan diplomatique, je vous avais dit l'autre fois que sur le plan diplomatique, grâce à cette diplomatie agissante, nous avons obtenu du Conseil de sécurité des Nations Unies quelque chose de très important qui nous a permis à qualifier ces mouvements terroristes, ces mouvements de M23 comme mouvements terroristes. Alors, ça n'a jamais été fait avant Joseph Kabila. Et c'est grâce à cette diplomatie-là que nous avons eu cet appui en termes de la diplomatie agissante. Sur le plan militaire, nous avons effectivement gagné sur terrain. Récupérant munitions, armes, tenues, tout ça de l'ennemi. La zone a été pacifiée. Les services de nos services de sécurité avaient réoccupé les localités et les villages qui étaient autrefois occupés par l'ennemi. Ça, c'était une victoire. Comment ce mouvement réapparaît aujourd'hui? Et pourquoi? Parce que, avec Félix Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir,
deux ans après, ou une année après, c'est son gouvernement ou sa famille politique qui invite les ex-dirigeants de ces mouvements à Kinshasa. Et ces ex-dirigeants du M23 passeront 12 à 18 mois à Kinshasa. Ces hommes ont été logés ici, nourris aux frais de l'État, sécurisés par les services de sécurité congolais, logés dans des hôtels de luxe à Kinshasa, aux frais de l'État et du gouvernement. Pourquoi ces hommes ont-ils été appelés ici? La première question que nous devons nous poser. Ils avaient passé 18 mois. Quels sont les accords ou quel est l'accord qu'ils avaient signé avec ceux qui dirigent aujourd'hui? Quand ils étaient venus, l'annonce n'était pas faite publiquement. L'annonce de leur arrivée n'était pas faite publiquement. Pourquoi, quand ces hommes repartent, apparemment, ils étaient en désaccord avec le gouvernement ou les dirigeants de Kinshasa, que l'annonce de leur départ est faite publiquement? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les dessous des cartes de l'arrivée de ces ex-dirigeants du M23? Vous pensez que c'est là que le problème a commencé? C'est là le problème a commencé. Et après cette étape, il va s'en suivre une autre étape où notre chef de l'État va requalifier la nature de Kagame. Il dit, Kagame, c'est mon partenaire, c'est mon ami. C'est mon frère. Les Congolais lui avaient posé des questions. Est-ce que vous êtes sûr et certain que Kagame est réellement votre partenaire et votre ami, votre partenaire nécessaire et privilégié? Et du côté de l'Union Sagaï, on nous avait dit oui. C'est le même Félix Tshisekedi qui amène Kagame ici au stade des martyrs. L'heure des obsèques de son peuple. C'est le même Félix Tshisekedi qui va signer des accords avec Kagame. Quand Kagame fit encore son ami et partenaire privilégié, c'est lui qui signe les accords avec Kagame et Yoweri Kaguta Museveni. Et vous connaissez la suite. Ces accords n'ont jamais été publiés dans le journal officiel. Après quelques mois de cette amitié entre notre chef de l'État et Kagame, Kagame sera traité d'ennemi. Mais en réalité, pendant la signature de ces accords et après l'exécution ou la mise en exécution de ces accords, Kagame n'a jamais été mauvais. Mais quand est-ce que Kagame redevient l'ennemi des Congolais, l'ennemi de Félix Tshisekedi? Parce que les accords ont été signés. Est-ce que ces accords ont été à l'avantage des Congolais ou de la République? Quand est-ce que Félix Tshisekedi s'est senti lésé pour réqualifier la nature de Kagame? Que Kagame était réellement notre ennemi. Ou que Kagame était cet homme au service des multinationales pour nous agresser. Quand? Parce que c'est lorsqu'il a commencé à soutenir justement le M23. Oui. Pourquoi Kagame a-t-il soutenu le M23? Parce que avant que Félix Tshisekedi devienne l'ami et partenaire privilégié de Kagame, il avait fait inviter les dirigeants du M23 ici. Qu'est-ce qui s'était passé lors de leur séjour ici à Kinshasa? Ce sont ces questions auxquelles nous devons avoir des réponses. Les réponses venant de M. Félix Tshisekedi, des réponses venant de M. Patrick Muyaya, comme porte-parole du gouvernement. Tant que nous n'aurons pas de réponses à ces questions, très chers frères, il est difficile de connaître le pourquoi du M23 aujourd'hui. Parce que, pour des Congolais avertis,
Pour nous, du PPRD du FCC, le M23 est un mouvement vaincu par l'armée régulière et républicaine, sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. Le M23 appartenait au passé comme mouvement. Donc, la personne qui donne vie ou une deuxième vie à ce mouvement, c'est M. Félix Tshisekedi et sa famille politique. Et ils doivent répondre aux Congolais afin que nous puissions connaître pourquoi avait-il invité ces hommes ici, quels sont les accords qui ont été signés et pourquoi avait-il signé les accords avec son ami et partenaire privilégié qui est devenu plus tard son ennemi, M. Paul Kagame. Et quelle est la suite de ces accords maintenant qu'il est en désaccord avec son ami et partenaire privilégié qui est Paul Kagame? Quelle est la suite réservée à ces accords? Tout en sachant que c'est lui qui avait donné l'accès à Rwanda d'avoir l'autorisation de sionner dans notre République. C'est lui qui avait autorisé que Rwanda puisse avoir un Kigali à Goma. Et c'est lui qui avait signé les autres accords avec l'Ouganda et le Rwanda. Donc, le problème réside là. Le reste entre dans les aspects que nous vivons aujourd'hui dans la bonne marche de la démocratie dans notre pays. C'est-à-dire, les Congolais sont de plus en plus divisés. Avant les élections, nous étions déjà divisés. Aujourd'hui, nous sommes encore plus divisés. Ces élections nous ont divisés. Aujourd'hui, les Congolais ne savent pas se regarder en face parce que cet élan de solidarité que nous avions n'existait plus. La cohésion nationale n'existait plus. Cette fraternité, l'amour de vivre ensemble n'existe plus entre les Congolais. Et aujourd'hui, la démocratie dans notre pays est assassinée. La démocratie est empoisonnée par Félix Tshisekedi et sa majorité. Et surtout, les lois ne sont pas respectées. La constitution n'est pas respectée. Les droits garantis à l'opposition ne sont pas respectés. Les opposants sont traqués, arrêtés, enlevés et jetés à Makala et dans les autres prisons sans procès. Aujourd'hui, nous avons Salomon Escadela, Andolo. Malgré sa maladie, il a plusieurs fois demandé la liberté provisoire qu'il n'a jamais eu. Nous avons aujourd'hui Nestor Kipalamoto à Makala, arrêté sans raison, qui coupait Makala gratuitement. Nous avons aujourd'hui Mike Moukeba Nkosu, jeté à Makala sans procès, qui est encore là. Nous avons aujourd'hui un autre camarade, Papi Poum, qui a été enlevé à Kasumbalesa, qu'on a ramené ici à Kinshasa. Nous ne connaissons même pas là où il est. Sa famille biologique, sa famille politique, ses avocats ne sont pas en contact avec lui. Nous demandons qu'il soit libéré. Nous demandons si réellement qu'ils ont ces hommes qui les détiennent, s'ils ont de preuves qu'il a enfreint la loi, qu'il a fait ceci, qu'ils soient mis devant un juge, qu'ils puissent être jugés et condamnés s'il faut. Mais sinon, s'il n'a rien, qu'ils soient libérés. Donc, d'une manière générale, la démocratie est asphyxiée par le régime actuel. Aujourd'hui, les opposants n'ont pas les droits de marcher, ils n'ont pas les droits de s'exprimer librement. Vos confrères journalistes sont arrêtés, j'étais en prison. Stanislas Poujakira est en prison. Nombreux de vos collègues sont en exil. Je ne peux pas les citer ici. Ils sont nombreux qui sont sortis. Donc, le droit fondamental et les libertés sont empiétés en République démocratique du Congo. La majorité au pouvoir et les régimes actuels veulent nous imposer la pensée unique. Chose que ne peut plus marcher en République démocratique du Congo du fait de ces pactes républicains que nous avons, qui nous donnent le droit, mais aussi et les raisons de continuer notre combat dans le respect des textes.
Alors, monsieur Jean-Serge Tibène, nous vous avons suivi minutieusement. D'où cette question, s'il faudrait établir un parallélisme entre le régime actuel et le régime de l'ancien président Joseph Kabila sur le plan sécuritaire, vous pensez que le régime de Kabila était mieux du moment où, à l'arrivée de ces régimes, on nous a parlé de l'infiltration de l'armée et qu'il fallait réformer l'armée? Madame, il faut être pragmatique dans la vie. Comme je disais tantôt au début de l'émission, moi je suis de cette école, l'école du pragmatisme. L'UDPS accusait Kabila depuis qu'ils étaient à l'opposition, que la guerre de l'Est c'était la guerre de Kabila. Le Congo est un pays qui est au centre du monde. Quand vous aspirez à gérer ce pays, vous devez connaître les enjeux de ce pays. Je l'ai toujours dit. Vous devez connaître la place du Congo dans la sous-région. Vous devez connaître la place qu'occupe le Congo en Afrique et dans les salons des intérêts du monde. Tant que vous n'avez pas cette maîtrise de ces choses-là, toutes les décisions que vous allez prendre après seront des décisions qui vont aller à côté. C'est le cas avec l'UDPS. Le fait d'avoir fait une fixation gratuite sur Kabila les a désorientés aujourd'hui, même pendant qu'ils étaient à l'opposition. Quand ils arrivent au pouvoir, ils se rendent compte en réalité, en retard, que la guerre, c'est une guerre multidimensionnelle. Qui n'était pas la guerre de Kabila, qui n'était pas la guerre du FCC. C'est une guerre de procuration. C'est une guerre à cause de nos minéraux. Tu sais qu'il y passera, un autre président viendra. Si les bonnes décisions ne sont pas prises sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan économique, comme ce fut le cas de Joseph Kabila, la guerre continuera, madame. C'est ça la vraie raison de la guerre. Et maintenant, vous ne pouvez pas comparer, madame, comment les choses ont évolué sous Kabila et comment les choses évoluent aujourd'hui. Je vous ai dit, Kabila arrive au pouvoir, il trouve 4 rébellions et 167 coupes armées. Dans le souci de pacifier les pays, dans le souci de mettre les Congolais ensemble. Il y a aussi des accords dans ces soucis-là. S'il vous plaît, je vais y arriver. Dans le souci de travailler pour l'intérêt suprême des Congolais, Joseph Kabila a fait un appel à tous ces rebelles, seigneurs de guerre, qui sont devenus aujourd'hui politiques. Si Bemba est devenu politique, c'est grâce à Kabila. Si Mende est devenu politique, c'est grâce à Kabila. Si Roger et notre compatriote Roger, j'oublie le nom, s'il est devenu politique, c'est grâce à Kabila. Donc, Joseph Kabila savait se surpasser pour mettre en avant les intérêts de la République. Joseph Kabila savait prendre des bonnes décisions au moment qu'il faut pour l'intérêt de la République. Chose qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Donc, au-delà de ces aspects-là, Joseph Kabila a travaillé pour la réorganisation de l'armée et la montée en puissance de l'armée. Joseph Kabila a travaillé pour la formation des militaires. Joseph Kabila a travaillé pour pérenniser d'abord les atouts en termes de sécurité que nous avons. Mais eux, quand ils arrivent, la priorité n'est pas la formation, la priorité n'est pas la force de travailler pour qu'enfin ce que nous vivons aujourd'hui puisse prendre fin.
Alors, monsieur Jean-Pierre Tubin, madame Tania a relevé ici un fait sur l'infiltration au sein de l'armée. Je rappelle ici qu'au cours de la réunion du Conseil supérieur de la défense, le VPM de la défense, Jean-Pierre Bemba, a ici, au cours d'une interview, dit que. Il a été demandé au président de la République de lever le moratoire sur la peine de mort. Question d'arrêter le traître. Raison pour laquelle Madame Tania. Cette infiltration, je voulais arriver. Je voulais arriver à cette question. Une armée laissée par Joseph Kabila, infiltrée. Comment tu sais qu'elle sera capable de mener une guerre avec cette armée? Quand Félix Tshisekedi prend le pouvoir, il n'a jamais dit que l'armée était infiltrée. Mais c'était pas quand même à lui de le dire. Mais il a au moins reconnu qu'il a trouvé une armée républicaine, une armée structurée, une armée forte. Ça, il a reconnu. Il n'a jamais dit qu'il a trouvé une armée infiltrée. Ça, c'est un. De deux, madame. L'infiltration dont on parle, il faut prouver cela. Les hommes politiques parlent d'infiltration. À l'Assemblée nationale, Mbosso, une fois parlé de l'infiltration, Mbosso est allé même loin pour dire que certains députés ici de l'Est. Une infiltration qui date de avant. S'il vous plaît. Mbosso a dit que certains députés de l'Est travaillent avec le groupe rebelle. Les Congolais étaient contents. Parce que les Congolais s'attendaient que Mbosso, après ses déclarations, nous donne la liste. Ne serait-ce que la liste de ces députés. Mais madame, vous êtes journaliste, vous avez déjà cette liste. Ce sont des discours populistes que nos frères de l'opposition d'hier étaient habitués à tenir pour amadouer les Congolais. Mais une fois au pouvoir, ils ont compris que ces discours ne tiennent plus. Parce que, à force de parler, les Congolais ont beaucoup retenu de choses. Il faut maintenant passer aux actes. Les Congolais ont poussé M. Félix Tshisekedi à dire qu'à la moindre escarmouche, je vais réunir les deux chambres, c'est-à-dire les congrès. Et je vais déclarer la guerre contre le Rwanda. Nous attendons déclarer la guerre au Rwanda. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce qu'on n'est pas prêt à faire la guerre. Parce qu'en réalité, sur le plan diplomatique, on est faible. Parce qu'en réalité, nous avons un gouvernement faible, incapable de faire la guerre contre le Rwanda. Nous devons nous le dire en face. Si on était fort, Félix Tshisekedi allait déjà faire la guerre contre le Rwanda. Voilà maintenant qu'il est buté. Depuis qu'il avait fait ses déclarations, ça fait combien de jours? Mais le président n'a pas dit qu'il ne le fera pas. Non mais, on attend, les Congolais attendent. Je suis très content. Monsieur Jonathan est très content et sera très content que nous puissions faire la guerre au Rwanda. Nous attendons impatiemment. Mais dans le fait, nous disons que ce qui nous arrive aujourd'hui, ce sont des choses qui nous arrivent au moment où ceux qui gèrent ont commis des fautes. Ceux qui gèrent ont pris certaines options qui n'ont pas aidé que la sécurité, la situation à l'Est puisse s'améliorer. Sur le plan militaire, l'état de siège a servi à quoi, madame? Parce qu'on nous avait dit... Démasquer l'ennemi. Oui, démasquer l'ennemi. S'il vous plaît, oui. Non, l'ennemi a toujours été démasqué. Non mais c'est je me rappelle. Je me rappelle. Après cet état de siège, je qu'on a compris non, que Kagame était en train de sauter. Faux. Je me rappelle encore une interview de Joseph Kabila. Je crois que c'était à Washington, après une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies, où on pose la question à Joseph Kabila. Monsieur le président de la République, comment se porte votre pays? La vidéo existe sur le réseau social. Joseph Kabila dit, les Congos se portent mieux
et les Congolais en paix avec tous ses voisins, sauf le Rwanda. La vidéo existe, allez sur YouTube. La vidéo existe. Et cette vidéo a fait le tour du monde. L'ennemi était connu. Nous devions passer à l'étape suivante. Nous devions mettre les énergies ensemble, consolider nos forces pour combattre cet ennemi. Mais l'UDP, à l'époque, était distrait. Pour eux, la guerre de l'Est, c'était la guerre de Kabila. Quand ils arrivent au pouvoir, ils se trompent. Ou ils comprennent qu'ils avaient déjà pris une mauvaise direction concernant cette guerre. Maintenant, on cherche le faux fuyant. On cherche le faux fuyant. Ce sont eux qui ont donné l'ordre de Sakima Kagame. Ce sont eux qui ont invité la M23 ici à Kinshasa pendant 18 mois. Ce sont eux qui ont signé l'accord avec l'Ouganda. Ce sont eux qui ont signé l'accord pour que nous puissions adhérer dans l'EAC. Aujourd'hui, nous avons 8 armées sur notre sol. Les armées étrangères, 8 madame. Ça nous a apporté quoi? Alors que, sur le plan de la coopération régionale, nous avions encore des alliés fiables qui ont toujours soutenu le Congo pendant les moments difficiles. On pouvait recourir à la SADC, aux autres structures. Mais la force de la SADC déjà... Non, en retard. À l'Est. La force de la SADC arrive au moment où on adhère dans l'EAC, au moment où des armées étrangères sont sur notre sol. Et est-ce que nos frères de l'Union Sacrée peuvent nous donner aujourd'hui le bilan de ces forces de l'EAC? Combien de localités ont-ils récupérées? Où ont-elles récupéré ces forces-là? D'où ils ont demandé leur départ. S'il vous plaît, madame, combien de territoires ont été récupérés? Combien de localités? L'UDPS, monsieur Tshisekedi, peut nous donner aujourd'hui le bilan des forces de l'EAC? Oui. On réclame aujourd'hui le départ de l'EAC. Pourquoi? Parce qu'ils ont échoué. La population de l'Est réclame aujourd'hui qu'on puisse mettre fin à l'état de siège. Pourquoi? Parce que cet état de siège a échoué. Mais que fait le gouvernement? Pourquoi on ne sort pas de l'UEC? Pourquoi ces forces étrangères qui sont venues dans notre pays ne sortent pas? Ou ne rentrent pas chez eux? Chez elles? C'est un retour progressif. Non, mais un retour progressif. Est-ce qu'il y a déjà un retour? Pour parler d'un retour progressif. Il y a déjà un mouvement dans ce sens-là. Nous devons nous poser des questions, madame. Alors, ne cherchons pas de faux fuyants pour dire, voilà, l'armée a été infiltrée. Donc, une armée infiltrée ne peut pas gagner une guerre. Nous avons gagné la guerre contre l'armée 23. Une armée infiltrée ne pouvait pas nous donner les résultats que nous avons eus. En 2013, c'était un faux fuyant. Aujourd'hui, nous devons nous regarder en face. Monsieur Tshisekedi et son régime doivent dire aux Congolais qu'est-ce que le régime de Kagame avait promis quand ils étaient ensemble pour signer les accords qu'ils ont eus. Qu'est-ce que le Congolais, la partie congolaise, avait promis à ce régime de Kagame? Pourquoi ça n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche? Mais c'est ce qu'il doit nous dire. Qu'est-ce qu'il avait motivé à inviter les ex-dirigeants de M23 à Kinshasa pendant 18 mois? Quels sont les accords qui ont été signés? S'il n'y avait pas d'accord, qu'est-ce qui avait motivé Monsieur le Président de la République et son régime, d'inviter ces rebelles et de discuter avec eux? L'objet de leur discussion portait sur quoi? Ce sont des vraies questions. Alors, monsieur, auxquelles nous n'avons pas encore de réponse, madame. Jean-Serge, je continue dans votre logique. Aujourd'hui, parce que le rebelle M23 demande qu'il y ait respect des accords, vous estimez qu'il s'agit bien sûr des accords signés avec ces régimes et non avec le régime de Joseph Kabila? Mais ils les disent. Madame, ça ne sert à rien de poser la question. Ils ont signé des accords avec les régimes actuels. Parce que nous n'avons pas signé des accords avec eux. L'homme 23 a été vaincu
sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. Nous avons eu une résolution du Conseil de sécurité traitant le M23, un mouvement terroriste. Et sur le plan militaire, nous avions mené des opérations à l'époque avec l'armée, le politique Joseph Kabila comme chef de l'État. Et ces opérations ont fait que nous puissions vaincre et gagner la guerre contre l'homme 23. Ça, c'est la vérité que tout le monde connaît. Alors maintenant, pourquoi l'M23 réapparaît maintenant? Parce qu'ils étaient invités à Kinshasa. Mais selon les informations, ils ont passé 18 mois à Kinshasa. Justement les accords signés comme ça avec Kabila, parce que c'est un nouveau régime, raison pour laquelle ils veulent... Je n'ai pas vu cet accord que Joseph Kabila a signé avec l'M23. Pour que l'homme 23 soit vaincu. Je n'ai pas vu cet accord. Et je n'ai pas vu une vidéo où l'homme 23 réclame avoir signé un accord avec Kabila que Kabila n'avait pas respecté. Et vous n'avez pas vu non plus cet accord avec le régime actuel. Hein, mais pourquoi, s'il n'y avait pas accord, pourquoi ces hommes étaient invités ici, madame? Soyons réfléchis, soyons logiques. Vous n'avez pas un accord avec quelqu'un. Pourquoi vous avez l'intérêt de l'inviter ici? Une invitation qui a duré 18 mois, madame. Ils étaient en Kinshasa en train de faire quoi? Logés dans des hôtels, en train de faire quoi? Et nous voulons avoir des réponses claires et nettes concernant l'invitation de responsables de M23 à Kinshasa. Alors, M. Jean-Ferge, lorsque vous constatez de Congolais aller comme ça soutenir le M23, qu'est-ce que ça vous dit? Je prends ici le cas de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, qui est aujourd'hui patron de M23. Qu'est-ce que ça vous dit? Corneille Nangaa, c'est un Congolais. Mm. Il a été la CENI. Mm. Après la CENI, il avait créé son parti politique. Mm. Après, il s'est exilé en Europe, décriant tout ce que nous décrions aujourd'hui. Mm. La violation de loi. Les enlèvements. Vous vous décriez, mais vous n'allez pas soutenir le rebelle pour ça. S'il vous plaît, je vais y arriver. Nangaa décrit à l'époque, avant d'aller en exil, les violations de loi, les enlèvements, les arrestations arbitraires, les népotismes, les tribalismes, les clientélismes, et tout ce mot qui caractérise aujourd'hui les régimes actuels. Mais posez la question à moi, pourquoi Nangaa est parti faire une rébellion? Je serais incapable de vous répondre. Nous, en tant que parti politique, nous sommes clairs par rapport à notre position. Notre position, elle ne change pas. Mais on n'a pas vu votre parti aussi condamné cela. Hein? Notre famille politique... Mm. est une famille politique qui respecte les textes de la République. Nous avons des statuts, nous avons un règlement d'ordre intérieur qui est en harmonie avec la Constitution. Donc nous ne pouvons pas soutenir une association ou un groupe qui soutient le rebelle. Très bien. Alors, une dernière question pour terminer ce sujet. Membre du parti qui décide d'adhérer dans des groupes armés, qui décident d'être affiliés dans une structure qui apporte du soutien ou c'est pas avec des groupes armés, ils sont exclus automatiquement du parti. Nous condamnons tout ce qui se passe à l'Est. Il n'y a même pas deux jours, notre secrétaire permanent a connu une grande délégation du FCC. Une rencontre avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Nous avons réitéré nos positions. Notre soutien au FRDC. Nous compatissons avec nos frères et sœurs, nos enfants. Khmer à l'Est est passé. Parmi ces personnes-là, il y a aussi les militants du PPRD. Il y a aussi les militants des partis du FCC. Donc nous sommes touchés profondément. Nous décrions l'insécurité, la situation
telle qu'elle se vit à l'Est. Et nous disons que nous allons continuer dans la résistance jusqu'au bout. Alors, M. Jean-Vartubain, lorsque nous constatons ici, comme je l'ai dit de l'entente de cette émission, lorsque nous constatons que plusieurs pays veulent à ce que la République démocratique du Congo puisse négocier, pourtant le président polonais au Rwanda a promis soutenir le Rwanda. Qu'est-ce que ça vous dit? Quand plusieurs pays nous demandent de négocier, en réalité, nous-mêmes, en tant que peuple, quelle est notre position? La vraie question devait être celle-là. Quelle est la vraie position de Félix Tshisekedi par rapport à ce qui se passe à l'Est? Parce que je vois Mouya dire, nous n'allons pas négocier avec les M23. Pas question de négocier avec les M23, mais quelle est la vraie position? Donc, si on n'est pas prêt à négocier, nous devons faire la guerre. Nous attendons quoi pour faire la guerre au Rwanda? Est-ce que aussi c'est parce que nos voisins ne sont pas vrais envers nous? Non. Mais les relations entre les voisins, les relations entre les États est fondée sur les intérêts. Et les intérêts peuvent vous diviser à tout moment. Entre les États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts qui priment. Et les États sont de monstres froids. Quand vous piétinez sur mes intérêts, je peux faire la guerre contre vous. Parce que vous mettez en mal mes intérêts. Vous mettez en mal les intérêts de mon pays. Vous avez vu l'OTAN soutenir l'Ukraine, n'est-ce pas? Vous voyez de la manière dont Poutine est en train de se battre. Pourquoi il se bat? Pour défendre les intérêts de son pays. Parce que l'intégrité territoriale de son pays est en danger. Poutine n'attend pas d'abord le soutien des autres. Il se bat avec ses moyens. Il s'organise avec ses moyens. Parce qu'il sait que la guerre, là, c'est une guerre juste qu'il est en train de mener. C'est la guerre pour défendre l'intérêt de son pays. Nous, Congolais, nous attendons quoi pour faire la guerre au Rwanda? Nous attendons le soutien de la France. La France nous a toujours soutenus. Les États-Unis nous ont toujours soutenus. Et tant de pays au monde. Qu'est-ce que ça a donné en termes d'avancement par rapport à la situation à l'Est? Zéro. Nous sommes distraits. Je vous avais dit une fois ici sur ce plateau que ceux qui dirigent sont distraits. Vous parlez de la Pologne. Je vous avais donné une information ici. La Grande-Bretagne avait signé un accord avec le Rwanda. Un accord qui permettait à la Grande-Bretagne de prendre les exilés politiques ou le demandeur d'asile, non pas les exilés politiques, les demandeurs d'asile qui sont sur le sol britannique, que la Grande-Bretagne pouvait prendre ces demandeurs d'asile, le renvoyer au Rwanda en attendant le traitement de leurs dossiers. Si leurs dossiers sont validés, ceux qui auront la chance également que leur dossier soit validé, cela pouvait répartir en Angleterre. Et cet accord se faisait sur base d'un montant de 250 millions de dollars l'an. En tant que peuple, en tant que citoyen, je m'étais posé des questions. Le Rwanda, c'est un petit pays qui a besoin de terres. Les Rwandais, Paul Kagame, est venu chercher même des terres ici, chez nos voisins. Au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville. Mais comment le même pays peut signer un tel accord avec une grande puissance pour héberger sur son sol ces nombreux demandeurs d'asile? C'était flou. Mais quelle a été la réaction de Kinshasa? Quelle a été la réaction de ceux qui gèrent? Quand Paul Kagame est parti signer les accords avec le voisin en face, quelle a été la réaction des dirigeants congolais? Nous étions dans la distraction. Nous étions dans la justice. Est-ce que c'est une question aussi de leadership? Nous avons, oui, le leadership aujourd'hui qui nous gère est faible, certes. Nous étions dans la distraction, dans la jouissance. Aujourd'hui,
il n'y a pas une bonne politique d'anticipation de certaines situations dans notre pays. La diplomatie n'anticipe pas sur certains cas. Nous subissons. Nous sommes dans la réaction. Et la réaction, elle est toujours tardive. Quand on attaque notre avion, nous faisons un communiqué. Je vous avais dit l'autre fois, est-ce que nos réactions sont-elles proportionnelles aux attaques que nous subissons? Non. Que devons-nous faire face à cette situation? C'est étudier de manière globale ce que nous voulons à l'Est, avoir des solutions efficaces, durables, pour rétablir la paix à l'Est de notre pays. Et cette paix passera par la formation de l'armée, par une diplomatie agissante, par la réorganisation des services de sécurité, mais surtout par la clairvoyance de ceux qui nous gèrent pour dénicher le vrai combat, la place du Congo dans la sous-région, en Afrique et dans le monde, et connaître les enjeux de l'heure, les enjeux de nos minéraux sur le plan international. Très bien. Parce que, en réalité, en diplomatie, l'hypocrisie règne à maître. Quelqu'un peut venir répondre à votre fête de mariage vous disant qu'il vous aime. En réalité, c'est un ennemi pour vous. C'est ce qui s'est passé. Nous disions à nos frères de l'Union Sacrée, lors de cette cérémonie de prestation de serment au stade des martyrs, ceux qui étaient accro au nombre des invités qui étaient là, combien nous soutiennent réellement pendant cette période difficile? Combien nous apportent du soutien? Quand je parle de soutien, un soutien palpable en termes de matériel, en termes de troupes, en termes de munitions, combien sont-ils à nos côtés? Ce sont des leçons que nous devons tirer. Très bien. Faisons les choses bien, faisons les choses pour l'intérêt de la République. Et en ce moment où la République est en train de traverser cette période difficile, nous devons avoir des actions qui apaisent les cœurs de blessés. Nous devons avoir des actions qui unissent les Congolais. Nous devons avoir des actions qui prouvent en réalité que nous sommes un peuple et que ce qui se passe à l'Est n'est pas acceptable. Nous devons nous mettre main dans la main, réfléchissons, travaillons pour que ça puisse prendre fin. Alors, M. Jean-Pierre, je veux revenir sur cette question de certaines indiscrétions qui reprocheraient à l'ancien président Joseph Kabila d'être le créateur, ils disent, et facilitateur de tout le monde que connaît la République démocratique du Congo. Votre lecture et analyse là-dessus? On disait que Kabila bloquait Félix Tshisekedi quand nous étions en coalition. N'est-ce pas, madame? Kabila bloquait Joseph Kabila. Kabila bloquait Félix Tshisekedi pour travailler. Après la dissolution de la coalition, combien de kilomètres de routes ont été construites? Parce que Kabila n'était plus là, il n'y avait plus les blocages. Combien d'hôpitaux construites? Combien de réformes ont été menées pour l'intérêt de la population? Combien d'avions ont été achetés pour la population? Combien? Combien on a ajouté au salaire des enseignants? Combien on a ajouté aux primes de risque de médecins? Ceux qui avaient travaillé pendant la période de la crise sanitaire ici, de Covid, qui n'ont jamais été payés. Combien? Combien on a ajouté au salaire des professeurs d'université? Alors, quand je vous dis que ceux-là qui gèrent aujourd'hui gèrent par défi, gère surtout avec le mensonge. Il faut diaboliser Kabila, il faut ternir l'image de Kabila. C'est dur avec Kabila parce que c'est le président qui a géré pendant 18 ans. Oui, madame. Joseph Kabila a géré 18 ans. C'est avec lui qu'il y a eu passation. Joseph Kabila a géré pendant 18 ans. Il a laissé les fondations, le base solide pour le décollage, pour le développement de notre pays. Mais nombreux ne se posent pas la question. Quand Joseph Kabila arrive à la tête de ce pays, il a trouvé quoi, madame? Nous avions une dette de plus de 15 milliards de dollars. Nous avons trouvé une inflation de plus de 1000%.
Nous avons trouvé quoi? Des routes. En quel état? Quelle est la société d'aviation que nous avons trouvée? Quelles sont les institutions viables que Joseph Kabila a trouvées, madame? Les établissements et services de l'État, combien étaient viables? Alors, il ne s'est pas plaint pour travailler. Il a travaillé avec ce qu'il a trouvé. Il nous a laissé aujourd'hui, pour la première fois qu'on parle des milliards en République démocratique du Congo, ça fait Kabila. 6 milliards de dollars de budget. Il nous laisse 3 milliards de réserves d'échange. Il nous laisse des structures d'État viables. Il nous laisse une société d'aviation viable. Il nous laisse une démocratie que tout le monde enviait dans la sous-région en Afrique. Il nous laisse une armée forte républicaine à la 8e position. Il nous laisse des services de sécurité organisés et structurés. Joseph Kabila nous a tout laissé. Un pays entier où les institutions fonctionnaient à merveille. Donc, avoir ce prétexte de dire que c'est Kabila le blocage, non, nos frères qui gèrent n'ont pas compris qu'ils sont en train de gérer un grand pays. Kabila n'en gère plus, Kabila est dans la résistance, nous sommes dans la résistance. Très bien. On leur a laissé la gestion du pays, ils doivent s'assumer. Le mal, ce n'est pas l'autre, le mal, c'est vous. Très bien. Alors, au début de l'émission... Ça ne sert à rien de rejeter toujours la responsabilité à l'autre. Alors que vous-même, vous êtes incapable de faire quelque chose pour... Très bien. Vous êtes revenu sur votre position concernant les élections qui se sont déroulées en République démocratique du Congo, la position du FCC, justement. Mais que dites-vous du rejet de la de différentes requêtes comme ça introduites introduites à la Cour constitutionnelle par les candidats députés invalidés par la CENI? Votre avis dessus également sur la nomination d'Augustin Kabuya comme informateur pour identifier la majorité. En 5 minutes, on conclut l'émission. Je n'ai pas de commentaire à faire sur la nomination de Kabuya. Qu'est dit? Vous n'avez pas de commentaire? Pas de commentaire. Mais pendant que l'opposition est minoritaire à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas de l'opposition. Les opposants sont ceux qui ont accepté de se faire élire par la faute des Kadima. Ceux qui ont accepté d'aller siéger. C'est à ceux-là peut-être que vous pouvez poser la question pour répondre sur la question des Kadima, d'Augustin Kabuya. Nous sommes dans la résistance. Notre position ne change pas par rapport au processus électoral en cours. C'est une question du Kabuya. De là sortir un gouvernement qui va diriger tout un pays. Un gouvernement qui ne va pas nous concerner, malheureusement. Toutes les institutions issues de la fraude des Kadima seront illégitimes pour nous. Les animateurs qui vont diriger ces institutions ne nous concernent en rien. Mais dommage, si je dois dire un mot, Kabuya n'est pas la personne idéale, madame, pour mener à bien la formation de la majorité. Vous pensez qu'il ne va pas convaincre? Il est incapable de convaincre. D'abord, il est incapable de convaincre, au-delà de convaincre. Kabuya, malgré qu'il est devenu secrétaire général de l'UPES, Kabuya est resté militant dans l'âme. Kabuya a toujours eu des réactions d'un militant. Kabuya a toujours du mal à se surpasser de sa casquette de militant pour devenir un cadre. Non mais, seulement mais cette fois-ci, de l'UDPS. Cette fois-ci, il est député national. Non seulement il de l'UDPS. Cette fois-ci changer. Mais un cadre, quelqu'un qui doit aspirer à gérer la République. Kabuya a toujours été dans l'émotion, dans l'euphorie. Et confier la formation d'une nouvelle majorité à cette personne-là, je vois mal Kabuya réconcilier, concilier les vues des uns des autres. Je vois mal Kabuya faire des concessions aux uns et aux autres pour réunir la famille politique, la fameuse famille politique de l'union sacrée de M. Félix. Je trouve. Alors, soit, tellement que Félix est bloqué, c'est un plan de Tshisekedi de nommer Kabuya, comme il sait que Kabuya est dans sa casquette de militant.
quelqu'un qui refuse tout, quelqu'un qui a juré de tout faire pour l'UDPS, il envoie là-bas pour bloquer les choses, afin que le gouvernement, la majorité ne soit pas identifiée, et le gouvernement ne soit pas mis sur pied, et à la fin, il va déclarer qu'il est bloqué, qu'il y a une crise, afin de réunir quelques opposants autour de lui, qui ont accepté de partir aux élections, et d'organiser un dialogue. À moins qu'un scénario tel que décrit soit envisagé. Mais si réellement Tshisekedi avait les soucis qu'un gouvernement soit mis sur pied le plus tôt possible, je ne pense pas, à mon humble avis, que Kabuya soit la personne indiquée, la personne idéale pour bien mener cette mission importante pour la République. Très bien. Vous avez aussi dit que vous êtes dans la résistance. La question sur les institutions ne vous intéresse pas. Pendant que les Congolais ont besoin de se retrouver, qu'est-ce que votre résistance va apporter au peuple congolais? Parce que vous êtes dans la résistance, vous le dites, mais vous êtes dans vos salons climatisés. On ne vous voit jamais manifester comme les autres le font. Vous êtes dans la résistance. Qu'est-ce que le peuple va bénéficier? Évidemment, si on n'a pas assez d'activité, parce que les conditions qui doivent permettre que les opposants, les résistants puissent marcher, ne sont pas réunies. Combien de fois ceux qui sont dans l'opposition ont écrit pour manifester et que les autorités n'ont pas répondu? Combien, madame? Combien de fois? Mais malheureusement, pour les mêmes activités, au même moment, si c'était les partis politiques de l'Union Sacrée qui écrivaient, ils ont des réponses. Mais quand même, faut et des réponses, il faut faire un pas. S'il vous plaît. Nous avons fait plusieurs pas. Nous avons fait des sittings malgré les ordres qui ont été donnés, malgré les ordres qui ont été donnés par les services de sécurité de tirer sur les manifestants. Nous avons fait des sittings, nous avons fait des choses. Mais notre logique va rester la même. L'opposition ne se résume pas en casse. L'opposition ne signifie pas qu'il faut brûler les bus. L'opposition ne signifie pas qu'il faut aller brûler les universités. L'opposition ne signifie pas quand il faut marcher, il faut paralyser les villes et la ville, il faut paralyser les activités des paisibles citoyens. On a toujours marché, on a toujours fait des activités sur le terrain dans le strict respect de nos droits et de nos devoirs. Très. Alors, maintenant, est-ce que c'était assez ou pas? Ce sont des choses qui doivent être analysées et nous poserons toujours des actions sur le terrain. Certainement, madame, que M. Tshisekedi nous autorise. D'ailleurs, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, nous sommes dans un régime d'information et on réservera toujours copie à ceux qui dirigent que nous allons faire telle activité, mais soyez rassurés. Pour des propositions, pour des discussions qui concernent la République, le FCC sera toujours là, le PPD sera toujours là pour contribuer, pour donner sa position, donner des idées. Très bien. Mais malheureusement, nous ne sommes pas au pouvoir. Notre champ de manœuvre se limite aux propositions, aux activités sur le terrain. C'est tout ce que nous pouvons faire maintenant. Très bien. Et informer la population, tirer la sonnette d'alarme à la population concernant la gestion de la République, la gouvernance et tout. Les autres actions seront certainement cette année posées, réalisées sur le terrain et vous serez informés. Très bien. Les actions sur le terrain, nous en avons besoin. Surtout, les Congolais ont besoin de voir Joseph Kabila manifester. Ça sera un plaisir. Allez. S'il a le temps, bien sûr. S'il a le temps, bien sûr. Allez, vous avez une minute pour la conclusion. La conclusion, nous sommes des cœurs avec nos frères de l'Est. Ce qui se passe est insoutenable. Nous travaillons pour que les élections inclusives, des élections républicaines, transparentes, soient organisées dans notre pays. Pour qu'en fait, que ceux qui seront élus soient des personnes capables à mettre fin à cette tragédie comme en 2013. Nous encourageons nos léopards qui se sont battus bec et ongles et qui sont arrivés en demi-finale, qui sont tombés armes à la main. Nous félicitons le coach et toute l'équipe. Ils vont jouer leur dernier match, je crois, le samedi. Oui. Ils auront notre soutien inconditionnel.
Nous appelons à la paix. Nous appelons à l'unisson. Nous appelons à ceux qui dirigent qu'ils puissent avoir le minimum de conscience. De dire que le pays est en danger. Il faut décrisper le climat politique. Il faut arrêter avec de mauvaises pratiques. Il faut arrêter avec des enlèvements des opposants. Il faut arrêter avec des arrestations des résistants. Il faut arrêter avec des arrestations de responsables des mouvements citoyens. Parce que ce sont des choses qui font aujourd'hui que l'unité nationale n'existe plus, la solidarité nationale dans notre pays n'existe plus, et l'élan des solidarités que nous devions avoir avec nos frères et compatriotes de Goma n'existait plus. Nous sommes un État, nous sommes une nation, nous sommes appelés à travailler ensemble pour que ce Congo aille plus loin et que nous puissions laisser un Congo fort, prospère et plus beau qu'avant. Très bien. Monsieur Jean-Charles Tiban, vous êtes secrétaire national en charge de la communication du parti PPRD, cadre et communicateur du FCC. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça a toujours été un plaisir. À Madame Tania, merci pour la co-présentation. Merci, Monsieur Nathan. Merci à vous. Merci, Madame. Jean-Serge. Et merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis du début à la fin. Très bien. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bon début du week-end chez vous. Au revoir.